Dans cette vidéo de Planète Animale, nous allons découvrir les 6 remèdes maison les plus efficaces contre les puces. Suivez attentivement et prenez note. Antipuces aux agrumes. Les puces détestent les agrumes, c'est pourquoi nous vous proposons 3 remèdes à base de ces fruits. Frottez le pelage de votre chien avec du citron ou de l'orange. De cette façon, les puces devraient se tenir à distance. Faites bouillir 1 litre d'eau et ajoutez-y quelques tranches de citron. Laissez refroidir toute la nuit et le lendemain. Étalez cette eau sur tout le corps de votre chien tout en évitant les yeux et le museau. Vous ne devrez pas avoir besoin de le baigner plus tard. En ce qui concerne la maison, pulvérisez ce mélange au niveau des lieux préférés des puces, c'est-à-dire le tapis, les coussins, les fentes. Découvrez 8 odeurs que les chiens détestent dans la vidéo ci-après. 2. Vinaigre. Le vinaigre est très efficace contre les puces car son odeur les tue et les éloigne. Bain anti-puces. Vous aurez besoin d'une tasse de vinaigre et d'une tasse de shampoing pour chien. Mélangez les deux produits dans un récipient et utilisez la solution pour baigner votre chien. Comment le faire? C'est très simple. Mouillez le pelage du chien et étalez le mélange que vous avez préparé. Laissez agir pendant 15 minutes et utilisez un peigne anti-puce pour les extraits du pelage. Lavez ensuite très bien votre chien pour éliminer tout excès. Répétez ce bain plusieurs fois par semaine. D'autre part, vous pouvez faire du répulsif anti-puce, mélangez une demi-tasse d'eau avec une demi-tasse de vinaigre de cidre et mettez cette préparation dans un pulvérisateur. Vaporisez le mélange sur votre chien pour éloigner et éliminer les puces et aussi pour soulager les démangeaisons. Vous pouvez également ajouter une cuillère à café de vinaigre de cidre de pomme ou de vinaigre blanc dans le réservoir d'eau du chien pour qu'il puisse boire, car cela éloigne les puces et ajoute un éclat au pelage. Enfin, vous pouvez faire du shampoing anti-puces. En quoi consiste-t-il? Eh bien, tout ce dont vous avez besoin, c'est du shampoing pour chien ou pour bébé, une demi-tasse d'eau et une demi-tasse de vinaigre de cidre de blanc ou de pomme. Mélangez et utilisez ce shampoing comme vous le faites normalement lorsque vous baignez votre chien. 3. Levure. La levure de bière est également un tueur de puces maison bien efficace. Pour commencer, vous pouvez l'utiliser comme nourriture. Ajoutez une pincée de levure à la nourriture habituelle de votre chien, ce qui fera fuir les puces car la levure dégage une odeur que les puces détestent. En revanche, vous pouvez l'utiliser comme répulsif contre les puces. Vous n'aurez besoin que d'une petite tasse de levure pour la frotter sur le pelage de votre chien jusqu'à ce qu'elle atteigne la peau. Il faut donc la laisser agir plusieurs jours et la retirer après. Répétez ce processus une fois par semaine. La vidéo vous est-elle utile? N'oubliez pas que vous pouvez aider la chienne à continuer à se développer avec un super merci. 4. Romarin ou lavande. Vous savez probablement qu'il existe des colliers anti-puces sur le marché. Cependant, de nombreux propriétaires de chiens évitent de les utiliser en raison de leur forte odeur d'insecticides. Par conséquent, nous vous présentons une façon de préparer votre propre collier anti-puces maison entièrement naturel. Pour ce faire, procurez-vous l'huile essentielle de romarin ou de lavande, de l'eau et de mouchoir. Diluez l'huile dans de l'eau, humidifiez le mouchoir et placez-le autour du cou de votre chien en guise de collier. Pour renforcer l'effet de cette préparation, ajoutez-y quelques gouttes d'essence d'huile d'olive et appliquez-la au niveau de la base de la queue de votre chien. Ce collier doit être renouvelé toutes les semaines lorsque l'odeur aura disparu. Vous pouvez le garder même pendant les promenades. 5. Camomille. Pour utiliser ce remède, préparez une infusion à la camomille. Laissez-la refroidir et baignez votre chien avec en le massant doucement pour répartir le remède sur tout le corps. Laissez agir pendant 15 à 20 minutes, puis rincez avec de l'eau. Vous pouvez répéter ce processus tous les jours en vous assurant de bien couvrir les yeux, les oreilles et la bouche de votre chien. 6. Eucalyptus. C'est un remède maison parfait pour les puces sur les chiens car il a un effet antiseptique bien élevé. Afin de se débarrasser des puces sur votre chien, vous devez préparer une infusion d'eucalyptus mélangée à du romarin. Vous pouvez également obtenir de l'huile d'eucalyptus. Après tout, le remède est de le baigner avec cette préparation. De cette façon, l'odeur de la plante collera au pelage de votre chien, ce qui, bien évidemment, éloignera les puces. Si vous voulez en savoir plus sur les problèmes de santé chez les chiens et la façon de les traiter, ne manquez pas la liste de vidéos que nous vous laissons ici. Alors dites-nous, votre chien a-t-il déjà eu des puces? À bientôt sur Planète Animale.